Yo tout le monde, comment vous allez? C'est Mythos de Pokémon. Ouais, bon, je sais. Je suis pas très actif ces derniers temps, mais bon. C'est normal. Et du coup, on reprit. Tant de vidéos à regarder, des émissions à écouter. Ouais, n'importe quoi. Voilà, une petite vidéo sur, vous savez, mon nom c'est Mythos de Pokémon. Mais je ne collectionne pas juste les cartes Pokémon. Une carte chaotique. Et aussi les cartes Yu-Gi-Oh! Oh, et en passant, si certains de mes abonnés ont des cartes de Yu-Gi-Oh! Et lui ont débarrassé, dites-le moi en commentaire et je verrai ce que je pourrais faire. Parce que. Et vous voulez en débarrasser? Je suis preneur! Mais ça faisait ultra longtemps que j'avais arrêté de collectionner les cartes Yu-Gi-Oh! Vu qu'ils étaient tous en anglais. Moi, l'anglais, ça fait deux. Mais vu que je joue un jeu sur téléphone qui est Duel Link. Ça m'a permis de traduire certaines cartes que j'ai en français. Bon, je tourne tout de suite pour vous montrer ça. J'ai mon cartable de monstre. Ici, mon champ de magie. Pièce. Bon, si j'ai barré normal, c'était. J'ai pas envie d'utiliser ce cartable, mais bon. Hein, mon histoire d'être et mon cartable surplus. Pour les cartes usées en plus que 3 fois. Bon, on commence par les monstres. Ah oui! Je vais vous prévenir, il y a des cartes qui sont un peu en mauvais état. Et un peu déchirées aussi. Mais, pour ma défense, j'étais jeune et je savais pas trop le truc de protéger les cartes. Alors, pardonnez-moi pour certaines. Surtout pour une, c'est une ultimate rare. C'est une ultimate rare qui est un peu maganée. Mais par contre, c'est une carte pièce ultimate rare qui est. En plus, meilleur état de mon monstre ultimate rare. Désolé. Minute. Bon, non, voilà, bon. Il y a déjà le monstre ici, le tête de canon hit. Bon, désolé, la peau avec à coup des reflets. Ah là, on voit mieux. Ouais, elle est un peu ce côté. On dit d'être jeune. Oui. Il y a ici ces feuilles, ils sont un peu au large pour les cartes, mais bon. Donc toi, tu essaies de t'échapper. Ah, vous vous souvenez de celle-là? On l'a vu, il y avait dans l'émission de la première génération de Yu-Gi-Oh! On a vu Yu-Gi-Oh! L'utiliser contre Insector Aga. Alors, dès de base, on avait mes nouvelles cartes. Désolé. De ce point de vue, c'est bien. On n'a pas le petit focus, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, d'accord. Oh! Ouais, comme ça, avec ce petit flash, on voit vraiment mieux. Ah, pour ce petit Jordan. Il y a la série du Hard 5, on a vu celui-là dans la série.
Voilà, j'avais pas d'ordre de classement normalement, mais j'ai juste placé ces trois, ces quatre là pas mal en ligne vu que c'est un des dragons. Moi, ces trois là ensemble, ce sont des ruines. Allez, je sais pas si vous avez entendu des voix. Allez, allez. Yay. Attends, je vous vois une main gagnée, c'est celle-là. Oh, désolé, ne me tapez pas dans les commentaires. Je te rends les coups. Non, t'es con. Yay. Désolé. Ah ouais, et moi aussi, et lorsque j'ai plusieurs fois le même monstre, je mets les cartes dans la même pochette. Des fois il y en a deux, d'autres fois trois. Ah oui, elle, j'en ai une. Un peu mieux la tête de celle-là. Ah ouais, Tony, aussi là, c'était l'un des monstres fétiches de l'un des membres d'associés de Kaiba. Ouh, ah ouais, ouh, j'avais oublié celle-là, comment elle m'a gagné un peu. Ah ouais, ça c'était la carte qui a aidé Joey quand Inset Core Agathe, lorsqu'il a triché en mettant une carte Inset dans son deck à Joey, à son insu. Qu'est-ce que tu as trouvé toi, ancien cerveau? Reste à ta place. Attendu. Ah ouais. Ah, ouais, t'avais pas remarqué lui. Il est laissé comme ça. Ah ouais, et là, avec les deux idiots, là, au service de Malik. Là, s'ils avaient perdu l'un des deux égyptiens, hein, les idiots. Ah, sûrement, elle est vraiment pailletée. L'autre aussi. Encore deux passes et on est arrivé à une nouvelle carte, les gens. Il me manque juste le roi et le prince. Ou le valet, je sais plus. Ils ont vraiment les trois cartes. Par contre, j'ai pas leur carte de fusion. Ah ouais, c'est celle-là que je vous parlais, les gens. La ultimate rare. Ouais. Franchement. Et là, je m'en veux à mort. Surtout lorsque j'avais découvert que c'était une ultimate rare. Alors j'ai un peu ce nouveau avec le Humpty Dumpty et celui-là. Bon, ça c'est pas les vrais dieux égyptiens. Ainsi mes cartes. Maintenant on commence à m'aimer cette pendule. Celui-là, tu as été banni des tournois et elle a été rendue à 1. Faudrait vraiment se masser des petits collants ronds et collants. Des petits collants en rond, ouais, je coche les cartes qui sont limitées. Yay! Pardon, ou banni. Celui-là, oh, je fais un petit cercle dessus et avec une barre. Non, sur le plastique, pas sur la carte. Ouh. Et là, je l'ai en 3 exemplaires. Ces deux-là aussi,
Si. Il y en a une paire. J'ai là en trois fois aussi. Ces deux-là, je les avais depuis bien longtemps, les deux tâtes en français. M'aider. J'ai un peu de lacé ceux-là en mode de force pendule. S'il y en a qui sont du Québec ou de Montréal et qui connaissent un état Yu-Gi-Oh! Là, après le Covid, si vous voulez, on peut se faire des essences ou non. Je cherche des 4 samouraïs super lourds pour ma collection, j'en ai aucun. Et je suis tombé un peu amoureux du Death super lourd grâce à l'anime Art 5, Artagon. Bon, ah, les deux cartes, les types de manteaux de zombies, pas mal. Les deux Enlit, les Satel Chevalier. Ici nous avons le pot artiste. Non, pardon. Non, pas encore. Je l'ai rendu. Juste ça, ça veut dire porte artiste. Ah, mais on n'est pas de l'heure du nom. Un speedroïne. Ces cartes-là seront peuvent être vraiment utiles pour faire des étises de niveau 4. Alors celui-là, j'ai juste traduit avec. Je suis nul en anglais, mais j'ai pu réussir à en déduire avec son effet. La gadget d'or vous permet d'invoquer spécialement un monstre machine de niveau 4. Mais de un monstre de niveau 4 gadget. Alors, soit lui ou lui, si vous l'avez dans votre main en même temps que lui, boum, un mandeur en 4, et donc le numéro 39, Utopie. Ou bien alors, le numéro 59, s'étant pas le cuisinier malhonnête. Oh, vous et elle, je me souviens même plus si c'est une Ultimate Rare. Ouais, je regarde plus tard, bref. Attends! Il n'y a pas remarqué, c'était un des Brother Fist. Alors là, les aromates, c'est un peu mon poison sur Duel Link. Un enfer. Ça, et les Seigneurs Lumière, et c'est réunoui. Voilà. Et des cartes ici, des diffusions de ceux-là. Ceux-là, par contre, je les ai un peu classés vu que ce sont des 6 morts. Ah, Yosenzo, le dé de Sergio. Enfin, bref, dans Art 5. Oh, une escouade triste. Ça, j'en ai juste une seule de celle-là, mais les 5 trop, ça a l'air pas mal. Ah, ça connaît son effet vu là sur du Link. Pas mal aussi pour des hits de rang 4. C'est un petit combo de hits. Goblinger avec le monstre Satel Chevalier. Alstein. Non. Parizel. Alstein, c'est l'archer. Vega. D'ailleurs, Blanc-Noir, avec le monstre Vega qui vous permet d'invoquer un monstre Satel Chevalier en de niveau 4 en plus de votre pièce normale. Alors, vous invoquez celle-là. Vous invoquez le monstre Satel Chevalier Vega, double invocation spéciale. Vous invoquez n'importe quel monstre Satel Chevalier, Altaïr, Nukalai, Alsaïm, Deneb, peu importe. Et boum, vous pouvez faire un monstre éthique. Il faut 4 monstres de niveau 4. Et donc, le numéro
Ah, c'est plus, c'est quoi, 28 ou 29? Le requin draconien? Je crois que c'est 29 son numéro. Cette tarte est bannie aussi des tournois, si je ne me trompe pas, de la bannie, je m'en peux plus. Une chose, je fasse mon truc. Ça, c'est déjà, je me suis assis il n'y a pas longtemps dans des bottes spéciales. Bon, toi, tu commences à te dégager. Puis on t'a dit certaines dates à deux lignes, sauf ils n'avaient pas tous. Dommage. Et allez. Non, d'accord, j'avais tué, non. Oh, je sais pas si vous, tant vous avez des doubles ou des triples, en même temps vous les mettez une à côté de l'autre, moi je les mets tout dans la même pochette. Ah oui, ça c'est l'une de mes rares cartes en français. Ah ouais, c'est en passe. Les beaux, je vous ai montré, ce sont mes cartes en français. Ah ouais. À partir de ce morceau-là, c'est pas mal des cartes que j'ai placées, vu qu'ils étaient en juste en français. Ouais, c'est la lumière. Ah, il faut mettre trop de cartes dans le cimetière pour moi pour arriver à suivre. Ah. Ça va jouer au Duel Link et tant te dette, je suis perdu. Mes deux seuls monstres montent et noir. Bon, celui-là, c'est mis là, même s'il est en anglais. J'ai juste vu ce que j'en ai fait. Par contre, il est banni des tournois. Dommage. Je suis mis un rituel là-dedans aussi. Durée. Mes deux seuls Red Raptor. Notre hiver d'argent, tu sens en meilleur état que le dernier. Ah, prochaine boîte, il va arriver sur Duel Link, les gens. Ça va être pas mal de ces monstres-là. Avec peut-être les autres numéros. Trois autres numéros, je sais plus trop. Soit, je sais plus. Tu as le 19, 61 et 59, c'est plus trop. Non, 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 pas 59. Mais c'est plus. Il y a pas mal ceux qui se connaissent dans sa Duel Link. Et aussi, ils sont en français, alors ça m'aide énormément. Une de mes cartes que j'aime bien jouer dans Duel Link, dans mon deck fusion. Wizred Hero Vision. Son invocation spéciale. L'une de ses modes d'invocation m'aide pas mal. Et surtout son autre effet. Bon, je vais tout de suite dans le deck avec mon totem de magie. Voilà. Moi, j'allais si vous entendez parler. J'ai la tête rituelle, mais j'ai pas le monstre qui va avec. C'est une des nouvelles que j'ai. Au moins, elle est un peu plus meilleure que. Enfin, pas meilleure, mais en meilleur état là.
On lui demande des thunes. Attends, j'ai pas la carte des trios de sa harpie, dommage. Ah ouais, comme je disais, c'est entièrement vite, là, c'est là. Ouais. Deux fois les épées de lumière révélatrices. Donc là, mais pas les jetons. Vous voyez, on était utilisé avec le monstre panthère là, oui. Le monstre où il faut sacrifier un monstre sur un terrain pour pouvoir attaquer avec cette carte, vu qu'elle est quand même niveau 4, mais elle a 2000 points d'attaque. Oui. C'est la I. Non, j'ai honte un peu d'avoir imaginé ces pauvres cartes. Mais bon. Ah ouais, elle est là en français aussi, celle-là. C'est quoi ça? Ouais. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres que vous sentez sont détruits au tombeau ou pas un effet de carte, puis aussi une carte. Mais tu sais, c'est par carte ou bien juste. Si t'as toi, tu perds juste une carte quand même. C'est pas mis dans le même slot parce qu'ils ont leur nom. Ici, elle est dorée, ici, elle est bleue. Deux rares différentes. Pas mal. Retourne à ta place. Oh, on a un peu dans les magies là. Magie. Dans les magies. Tu les as eu avec l'énorme voix du bouton, tu dois voir hors vidéo. Pas mal de cartes quand même. Où j'ai toutes mes cartes pendules. En fait, dites-moi, est-ce que. J'ai dit son effet, c'est une traduction, mais est-ce que c'est. Il faut vraiment un dragon. Un monstre. Yeux impair. Pour l'utiliser ou je peux utiliser n'importe quel monstre sans y avoir deux yeux hyper dedans. Bah, tu vois, je sais pas trop. Et elle va être lance normal. Pour une fois, ça va pas être du gaming. Ça va faire changement. Et pour du cupidité, ils sont bannis de duel des compétitions. D'accord, ça faisait piocher des cartes. Et de là, je peux encore les étudier si je me souviens bien. Il faut les juste. Ouais. Bon, on vient avec les pièges. Ouais, j'ai pris une photo. Ouais, bon. Et voici ma ultimate rare. Ma terre ultimate rare qui est en meilleur état. Je vais pas vous casser cette histoire à gagner. Eh, c'est plus une carte, c'est un ovale. Alors attends, c'est un ovale. Ne me tapez pas dans les commentaires. Ouais, désolé. Ah. D'avoir assez de temps sur ma caméra pour pouvoir tout filmer. Oh, j'aurais pu mettre cela ici, ça avait pas mal rapport. Tiens, je vais faire ça tout de suite.
un petit changement de cadre devant vous. Hop et hop. Hein? Mais je sais que j'avais vu là-bas. Ah ouais, je me disais bien. Hein? Ah ouais, il est un peu moyen aussi, mais bon. Ah ouais, celle-là elle est un peu chiant si vous activez un piège. Juste si vous utilisez l'armure du Sakura et tout, qui peut vous sauver la vie. Boum, ça l'annule et vous perdez l'armure du Sakura et tout. Et si vous savez où je peux me procurer des cartes pour Corée, il peut parler moins. Procurer des cartes Yu-Gi-Oh! En français à Montréal ou à Québec, dites-le moi dans le commentaire pour que je puisse me les trouver. Pardon, il va vous filmer un peu plus haut. Oh, il y a plusieurs fois celle-là. Ouais, deux fois en anglais et une fois en français. Alors justement, je vous parle de la main du Sakuretsu. 1x2, hop, et pas limité, alors. Parfait pour une bonne petite protection, si vous avez un monstre ou pas de monstre sur le terrain. Bon, autour de l'estrade, ça va aller vite. Bon, je vais vous dire un peu, sur mon sens, mes cahiers, mes canards. Je mets d'abord, il y a d'abord un monstre, ensuite il y a l'estrade juste à côté de lui, ensuite les magies, pièces, et le surplus ici. En sort très rare, celle-là, les amis, en sort très rare. Et est quand même pas mal en bon état, isolé depuis que je suis petit. Bon, après ces quatre-là, ça va être juste les nouvelles sujets. Toujours si joli, la magicienne des ténèbres. Bon, quoi, elle fait partie des études de Nightmare, mais machin, elle fait peur. Bon, celui-là, j'ai décidé de les séparer un peu. Ah, il y a une tête, alors autant, même au moins, les séparer un peu. Mes trois monstres yeux hyper. Fusion, Synchro et Tidet Z. Là. Ah, et l'autre ici. Ah, tu es banni des tournois. Ah, j'ai dû. Ah, ouais, c'est dû laisser si je passe la vite pour d'autres monstres dragons. Hop. Toutes des secrets rares ici. Oui, je sais plus, mais c'est de là, oui. Non, elle attendra aussi. Et des monstres numéro 29, Chamanquin, Cuisinier Malhonnête, et 78, Archive Numéro. Juste pour vraiment la voter facilement avec un autre monstre. Et aussi, j'ai la votation, pas ça tout, mais pendule. Bon, on revient pour le surplus. Les tissons, les cartes, je les échange ou je vendrai. Bon, voici.
Ouais, des montres pendules, des cas super rares, ou ultra, et même ultra rares, c'est plus, et puis en état de la rareté, tant j'ai vérifié plus tard, pour échanger ou les vendre. Et avec la rareté, ça va dépendre de la rareté pour les échanges, genre, montre normale ou rare, vous allez me donner, peut-être, il faudra plusieurs cartes, genre des cartes normales ou des cartes rares. Indépendant. Ah, j'ai pas mis dans les mêmes slots, j'ai séparé. Ah, ici, ici, Z en dos. Plutôt en coin du rue. J'ai plus de 3 fois. Bon, les gens, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous montrerai ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Partagez mes vidéos pour me faire connaître. Un pouce bleu. Un commentaire. Si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, si vous avez des cartes Yu-Gi-Oh! Si vous voulez plus les avoir ou vous vous en débarrasser, dites-le moi en commentaire. Et je vous répondrai pour les récupérer. Si vous voulez les jeter, donnez-les moi. Ça va m'aider à collecter. Moi, en mettant en collecter, c'est un peu le mot. À compléter ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.